Eh bien, bonjour tout le monde, c'est les Micropas. Aujourd'hui, nous allons refaire une mission de Wallace, enfin de Willis, Wallace, ensemble. Oh, puis merde, on s'en branle. Hey Jay, tu tombes bien, je suis en train de terminer. Ça y est, ce sera ton dernier job. Let's go. J'ai enfin au but, allez, monte. Enfin. Oh, cool, une bouteille d'alcool. Jette pas ça, je viens de boire 2 litres de café, je vais en avoir besoin. Oula. Putain. Il est... merde! Je vais t'apprendre 2-3 trucs, mais ce sera pas joli joli. Ton père voulait tuer ta mère parce qu'elle était sur le point de tout laisser tomber. Le sentier d'or, le kirat, la cause... Quoi? 1. Ta mère était une Hakuna Matata ou je sais pas quoi ce qu'ils disent pour appeler les petites filles. 2. Ta mère espionnait Pagan alors qu'elle l'aimait bien. 3. Ton père était un patriote et je connais aucun patriote qui soit pas un enfoiré de première. Et pour le reste... Ouais. Faut qu'on se débarrasse d'un autre lieutenant de Yuma. Le pire, c'est que c'est vrai que la plupart des patriotes, c'est des fils de pute. Hein. Et là, je parle même pas que pour la France, hein. Rien qu'en Amérique. Hein. On l'a vu en 2021 avec l'attaque du Capitole. Bah ouais, ça a beau être des racistes, c'est littéralement... Ouais, mais non, en fait... Hein, Oh putain, on est encore là. Putain, mais je dois descendre par où là? Oh oui, bah oui, hein, comme ça. Hein. Ouais. Eh, reviens là, fils de pute! Oh merde. Ouais, bon bah... Ah non, ils ont quand même tout prévu. Et bah là, Ubisoft, je vous remercie honnêtement. Avec ton couteau ou ce que tu voudras, Yuma pigera le message. Willy, terminé. Putain, je sais même pas par où je peux rentrer. Je peux commencer là, parce qu'il y a trop d'endroits. Bon, on peut commencer par là, tout droit, ou à droite. C'est affreux. Mais bon, on va faire la gauche. Et puis si on crève, on ira au centre. Ce qui est complètement con, mais on sait jamais. Hey Jay, je plaisantais pas quand je te disais de l'ouvrir en deux. Tu vas avoir besoin de son corps intact. Les flingues et les explosifs feraient trop de dégâts. Faudra y aller au couteau. À l'ancienne et un peu dégueu. Un vrai bonheur. Et pourquoi faut que le corps soit intact? Oh AJ, m'oblige pas à te mentir. Bah si, moi je veux que tu me mentes. Mais bon, j'imagine que c'est un truc trop violent et trop dégueulasse, donc on n'a pas le droit de le comprendre. Ah mais il y a vraiment un yak. Enfin... D'accord. En fait, à part les deux, il y a personne. Les trois, il y a personne. Clairement, il y a personne. Je sais pas comment on a réussi à faire la triple sans se faire remarquer, mais on l'a fait. Quel talent, putain. Bah, fallait que ça arrive, hein. Oh,
Ah ouais, mais bon, tu m'as pas laissé le choix, monsieur chien. Moi, je voulais pas te tuer à la base. Non, là-bas, il y avait aucun mec. Où sa mère? Pour qui, connard? Oh, on peut confectionner un truc. Trop bien. Oh. Ah ouais. Bah si on trouve des tigres du Bengale, il va falloir en tuer plein. Attends, en mode il m'a vu là. Willis, je l'ai eu. Prends-le en photo, tu veux bien? Le boss veut une preuve. Ok, j'ai sa photo. Très bien. Retrouve-moi en bas. Ah ben c'est vraiment bonne balade. D'accord, donc on a vraiment tué le bon cette fois-ci. Il n'y a pas eu de petit fail là, à la con. En mode ouais mais non, en fait c'était un autre qu'il fallait tuer. D'accord. Et bah franchement je vais pas me plaindre. Là je suis assez content, c'était un peu simple. Hein. D'accord, on peut même pas. Je me disais que ça aurait été trop beau pour ne pas mourir au moins une fois. En plus, on peut même pas utiliser le truc là, le parachute, c'est très rageant. Ah bah là, qu'ils essayent de me retrouver avec toute cette longueur qu'on leur a mis. Oula, on va quand même se baisser un peu. On va continuer sur la gauche. Oh merde! Évidemment. Alors là, en temps normal, avec tous les cailloux qui se seraient pris sur la gueule, ils seraient morts. Mais bon. On est habitué à ne pas avoir d'arrêt. Enfin, non, en même temps, ton mec, c'est pareil. Enfin, comme que là. Alors, on serait mort comme de la merde, quoi.
Ah voilà, ils nous mettent des trucs bien serrés pour que l'on crève. Vous êtes des enculés, Ubisoft. On a réussi! Let's fucking go! Oh putain, enfin. Oh sa mère. Mon Dieu, enfin. T'as éliminé la cible? Ouais, je l'ai fait. On s'occupe de Yuma maintenant? Grimpe. Ah, du coup, on va s'en occuper tout de suite. Eh bah. Du coup, après, j'imagine que ça sera que des missions de préparation comme. En fait, je t'ai fait tuer des contacts de la CIA. On fait le ménage. Pagan ne représente plus un danger potentiel pour les États-Unis. Fallait qu'on efface nos traces aux pirates. T'as fait un sacré bon boulot! Alors, tout ce que vous m'avez dit, c'est des conneries? Ce que je t'ai dit sur ton père et ta mère, non, c'était vrai! Oh. Ce que j'ai pu te dire sur moi. On aura qu'à lui demander! Mais putain, qu'est-ce que vous faites? Désolé, fiston, mais je te l'ai dit! Tous les patriotes que je connais sont des enfoirés! Ouais. Et du coup, j'imagine qu'avec le pouvoir de la cinématique, on va nous. Ok, il y a Yuma juste là. Acte 2 terminé. Eh bah putain, elle a pris du temps cet acte 2 à se faire. Hein. Du coup, bah l'acte 3 ça va être de tuer Yuma et Pagan Min, bah voilà. Bon, il a de l'air. Est-ce que tu as percé des trous pour qu'il ne s'étouffe pas au moins? Coucou. Tu t'es bien amusé avec la CIA? Bienvenue à Dourgesh. Désolé pour cet accueil un peu spartiate. Mais tu nous as bien fait chier, pas vrai? Oui. On a traficoté partout avec le sentier d'or. Pardon, et Pagan. Ce pauvre Paul, tu ne digères pas ce qu'il a fait à ton petit camarade, hein? C'était j'ai oublié ce qu'il a fait. Du blanc, ah, du schnock. Qu'on en finisse. C'est Yuma. Désolé que tu t'ennuies. Mais oui, laisse-moi le préparer en douceur, Yuma. Tu vas le traumatiser. Essaie d'arrondir un peu les angles, peut-être. Comme tu veux. Tu l'as vu, il respire encore. Maintenant, va-t'en, moi j'ai du boulot. Bien, bien, bien. Mais je le veux vivant. Avec tous ses membres intacts. Une dernière chose. Bon, AJ, je sais bien que c'est dur, mais considère ça comme de l'amour vache. Après tout, tu as une suite avec une vue imprenable. Oh, et un dernier petit conseil. Ne t'endors pas trop près du bord. Ouais. J'imagine. Allez, pousse-toi. Ce que tu veux, très cher. Allonge-toi. Pourquoi? Allonge-toi, je te dis! De toute façon, je m'en fous. Je suis allongé. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh. Ah, le bâtard. Checkpoint. Pourquoi elle est plus ou moins sain à l'air? Non, elle est... Ok, là c'est dégueulasse, c'est bizarre. Elle se prend pour Zephyr ou quoi? Yes, une référence à Metal Gear. Ah putain, il était temps dans cette chaîne, hein. Tu rêvais d'une chute? Beaucoup de gens tombent par ici. Le pire, c'est que je dis ça alors qu'il y a des chances que Metal Gear Solid est enfin en stream sur la chaîne au moment que cette vidéo sort. Je ne sais pas. Je tourne la vidéo en juin. On a la Master Collection qui a été dévoilée et je l'achèterai Day One. Ah mais... Oh. Ah ouais? Bah, j'ai regardé en bas. Non. Prison de... Si j'étais une araignée, je tisserais une toile. Oh le fils de pute, il est en train de se mutiler. Ah. Mangeur d'oiseaux, la cave ne... Oh, on s'en branle. Oh, attendez. C'est quoi ça? D'accord.
Le peuple qui a creusé cette cité dans la pierre était fort. Des fidèles de Kalina. Bah. Ah non, c'était une grande civilisation. Bien loin des chéliards qui infestent le Kirat d'aujourd'hui. Ah. Ah merde. Par contre, pourquoi ça dit que j'ai des armes? On peut même pas faire être. Je vais voir être monsieur. Putain, je comprends rien ce qui se passe là. On peut pas m'expliquer c'est quoi ce bordel. Ah, ça fait du bien là, on voit mieux. Ah non, fallait venir ici. Ok. Oh. Putain, ils m'ont vraiment transpercé le bâtard. Ouh. Bon, moi ça nous fait j'ai voulu le prévenir, mais il m'a ignoré. Et son amour pour Ishwari a fini par le briser. Effectivement, c'est très con, ça. Oh, c'est une marionnette. Coucou Pinocchio. Ah, Ah, t'as du cul, hein. Bon. Oh. Ah. Bien merde. Fils de pute. Oh, nique ta mère. Hein. Ah, chef, tu m'appelles fils de pute. Nique ta mère. Flûte. Pendant qu'ils sont bref. Ah bah là, bah oui, bah là. Mais... Oh... D'accord, j'ai compris. C'était juste pas visible tout à l'heure.
Bah oui. Pendant qu'ils sombraient dans le désespoir, j'ai enfin trouvé ma voie. J'ai trouvé Kalina. Une voix à Shangri-La. Je battrai Rakshasa. Et ensuite, je renaîtrai. Tout comme Kalina l'a fait en son temps. Et je réussirai là où Pagan a échoué. En bâtissant une grande. En fait, elle est littéralement en train de dire que c'est une traite. Oh! Elle est plus ou moins en train de dire que c'est une traite. Enfin, je suis désolé, hein, mais perso, c'est ce que je comprends. Juste avant de faire de la merde, j'ai quand même envie de voir. Voilà. Ah. Bon bah on a réussi à survivre, mais c'est pas la fin. Ça sent leur peur, hein. C'est pour ça que j'aime pas être. Eh merde. Kira Duramin, le guide officiel du pays. Mon dieu, je sais pas comment on a fait pour survivre. Putain, fils de pute, va. Ah, c'est chiant, pour... Ah bah oui, on a plus notre couteau, merde. Il n'y en a pas notre appareil. Attends,
Putain, c'est relou ça, ils veulent pas qu'on le prenne. Oh niquez tous vos mères. Allez. Ah, vous mourrez jamais, vous t'enculez. D'accord, on n'a même plus le droit de prendre notre arme. Pourquoi il marche lentement, merde, cours connard. Ok, c'est exprès. D'accord, c'est un peu bizarre, mais vas-y. Ah. Amita. Putain, comment elle a fait pour nous retrouver ? Il est réveillé. Comme ça, tu dis il est. Tu es l'homme le plus vénard que je connaisse. Je t'ai cherché pendant une semaine en territoire ennemi. Heureusement qu'on t'a trouvé avant que tu meures de froid. Ah ouais, vraiment l'homme le plus sensueux. Où est sa balle ? Probablement en train de faire ce qu'il fait de mieux. Assis dans le noir, à prier ses dieux morts pour que tu reviennes. Bah, il a réussi, hein, si c'est le cas. Ça fait 3 jours que je veille sur toi, mais tu es réveillé et ça a l'air d'aller. Il faut que j'y retourne. La guerre n'est pas terminée. Ouais, sans déconner. Sabal a au moins raison sur un point. Le Sentier d'Or a besoin de toi. Je suis ravi que tu sois de mon côté. Et du coup, j'imagine que si c'était Sabal le chef du Sentier d'Or, ça aurait été lui qui serait venu. Oh, maman. Maman. Je vais jamais regarder en bas, mission terminée. Ah, on a littéralement récupéré tout notre stuff. Hein. Ah ouais, 5. Putain, on en a gagné de l'XP. Hein. Et du coup, nous sommes dans notre maison. Évidemment. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, il y a Amita, hein, du coup, ouais. Mais attends, juste... progression. D'accord, il nous reste que 9 missions maintenant. Et bah allez, on va démarrer. Let's go. Ah ok. Non mais comment ça se fait qu'elle est juste au-dessus elle ? Ah oui, comme ça, c'est logique. Tu devrais rester loin des arènes. Et c'est plutôt la poterie. On n'a pas d'accès ici, mais ici oui. Tu vois ? Amita,
T'as quelque chose pour moi? Oui. On a enfin réussi à libérer le peuple au sud, mais le nord a été totalement coupé de nous à cause du pont du roi. Maintenant, on doit porter le combat sur les terres de Pagan et libérer le nord. Bon. Le pont est très bien défendu. Je pense que la grande porte peut résister à tous les types d'attaques. Oublie le C4 ou les explosifs habituels, ça ne sera pas suffisant, on se fera massacrer avant d'atteindre la porte. Et la mauvaise nouvelle? J'ai un plan. Il y a un convoi avec des produits chimiques. Je vais te demander de prendre le contrôle de ce camion, de l'amener sous leur nez et de faire sauter la porte. On pourra passer au nord. Et tu te rapprocheras un peu plus de Yuma. D'accord. Une clé pour le nord. Dans le doute. Eh ben allez, on va là. Ah là là, qu'est-ce que c'est facile. Ah là là, la vie est tellement plus simple dans ce checkpoint. Alors vraiment, quand on va commencer à aller dans le nord pour tuer Pagan Min, je vais continuer à faire plein d'avant-postes et de tours. Surtout les tours d'ailleurs. Hein. Mais aussi plein d'avant-postes hors vidéo. Hein. Je vais en faire une chier. Mais je vais en faire une tonne. Mon dieu. Bah, faut au point de tous les faire finalement. Amita, je suis en place. Je suis prêt. PJ, je suis contente de t'entendre. Je commençais à m'inquiéter. Le convoi devrait arriver par le sud-ouest. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Ils vont pas tarder. Bonne chance. D'accord, donc par là, l'endroit où je suis arrivé. Du coup, on fait quoi? On doit lui tirer dessus directement et... Bah ouais, je m'attends, hein, si tu prends la pute. Ok, c'est bon. On a réussi à pas se prendre un game over. C'est un putain de miracle. Même moi, je suis choqué. Oh, le fils de pute! Ah.
Fils de pute. Bien sûr. Bon allez, on va enfin prendre ce camion là. Amita, j'ai le camion. Je roule vers le portail. AJ, on n'a plus été si près du nord depuis des années. Merci. De rien, hein. Ça va sans dire. Bonne chance. Oula. J'essaie de pas te faire tuer. D'accord, ils se sont suicidés bêtement. Ouais, petit flop, j'ai envie de dire. Tunnel de Dokula. Attends, parce que on a beau savoir c'est où le nord. C'est quand même mieux d'avoir un itinéraire. Comment ça vous quittez la zone? Attends, t'es en train de me dire que le jeu me force à prendre un itinéraire qui n'est pas rentable pour moi? Je dois prendre un itinéraire ou je dois me faire niquer? Mais c'est quoi, c'est sadique? Même From Software n'oserait pas faire ça. Même From Software n'oserait pas. Détruisez les portes avec le camion, c'est un... Soyons mieux. Bonjour roi. Et... ça peut être très quand même. Ok.
Oh merde. Voilà. Je me suis emparé du pont. Je vais te connecter. C'est une super nouvelle, AJ. Merde. Attends. AJ, des ennemis arrivent par le nord. C'est la garde royale. L'élite de Pagan. Ouh. Ils sont forts, mais ils ne doivent pas reprendre le pont. Ok. Bonne chance. Quand tu dis nord, tu parles d'ici ? Ah, non. Votre attention, peuple du Kirat. Edgy Gale, héros du Sentier d'Or, s'est emparé du pont qui nous sépare de nos camarades du Nord. C'est une date historique pour la libération de notre pays. Et un grand coup porté au tyran Pagan Min. À toutes les unités, allez protéger le pont. Ah. Putain, on peut aller loin. Hein. Et merde. Aïe 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 aïe. Neutralisez la menace.
Allez. On a réussi. Nos guerriers sont presque arrivés au pont. Ils vont se sécuriser. Va les rejoindre. T'as porté un coup décisif pour notre liberté. Ah d'accord. Bonjour monsieur. Au nom du Sentier d'Or et de son chef légitime Amita. Merci. Tu nous as ouvert la voie de la liberté. Celle qui nous mènera droit à Paganmin. Une clé pour le Nord. Mission terminée. Oh putain, j'ai besoin d'un verre. Non, je te comprends mon frère. La compétence 5 de compétence... Oh yes. Ah oui, putain, enfin on va pouvoir améliorer des trucs. Oui. Oui, j'en avais besoin. Ouais. Oh, une sixième. Et là... D'accord. Ouais. Ok. Et du coup, là, on doit aller voir Amita ici. Ouais. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on ne l'a pas encore fait, mais vas-y. Eh ben, je pense que, ouais, on va s'arrêter là. Donc, moi, de mon côté, je vais m'occuper de ce clocher-là et de celui-là. C'est complètement con, je vous l'accorde. Mais, voilà, je m'occuperai des clochers et éventuellement, peut-être des... de ça et de ça. Tout ça hors vidéo. Et puis, bah, prochaine vidéo, on se retrouvera directement à Amita. Du coup, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je pense que c'était les Miku pas. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à bientôt tout le monde. Et puis, ouais, à bientôt. À très vite. Oh, et puis, merde. Bref, au revoir. Ouh, pas mal cette arme.